de temps. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du roman comique de Scarron. Alors, le roman comique de Scarron raconte les aventures d'une troupe de comédiens excentriques. On y suit leurs conflits, leurs amours et leurs amitiés. Alors, trois comédiens arrivent en charrette dans la ville du Mans. Devant une salle de jeu de pommes, l'un d'entre eux se bat avec un bourgeois nommé La Rapinière. Les comédiens sont en fuite à cause d'un meurtre commis à Tours par un portier pendant l'une de leurs représentations. Ils se font prêter des vêtements et interprètent une pièce. Les costumes prêtés appartiennent à des joueurs de jeu de pommes qui déclenchent une bagarre générale. Un second affrontement a lieu à l'extérieur de la salle. La Rapinière invite les artistes à manger chez lui. Pendant la nuit, il croit que sa femme entre dans la chambre de l'un d'eux, mais la confond avec une chèvre. Le comédien le plus âgé, nommé La Rancune, raconte à son hôte une agression qu'il a subie à Paris. Le soir suivant, ses personnages se battent à nouveau avec leurs adversaires de la veille. Ivres et mal en point, la bande d'amis partent se coucher. Le lendemain, le valet de La Rapinière succombe à ses blessures. D'autres membres de la troupe viennent au secours de leurs camarades. Ils mettent La Rancune sur un brancard pour le transporter vers une autre maison. La troupe de comédiens est désormais au complet. Ils sont 10, 7 hommes et 3 femmes. Un jeune avocat de la région, surnommé Ragotin, raconte une longue histoire d'amour pour séduire les dames de l'assemblée. Jaloux du joli récit de Ragotin, les hommes de la troupe se moquent de sa petite taille et le bousculent. Tout le monde finit par se réconcilier. La Rancune passe la soirée avec Ragotin dans un cabaret. Le vieil acteur promet à son nouvel ami de l'aider à séduire sa collègue l'Étoile. Une bagarre générale éclate dans la maison à cause d'un échange d'insultes entre l'acteur surnommé l'Olive et le propriétaire des lieux. L'acteur surnommé le Destin raconte sa vie à ses amies comédiennes. Il est issu d'une famille pauvre et a succombé au charme d'une femme en Italie. La Rapinière et les comédiens partent chasser. Ils croisent un curé qui vient d'échapper à une tentative d'enlèvement. La Rapinière réussit à emprisonner l'agresseur du curé. Le soir, le Destin continue de raconter sa vie aux comédiennes, tandis que Ragotin fait venir un orchestre pour séduire l'Étoile. L'Étoile ne semble pas charmée par la sérénade jouée la veille en son honneur. La troupe donne une représentation dans une salle du Mans. Après la pièce, Ragotin propose à l'Étoile de la raccompagner mais elle refuse. Il se rabat alors sur les deux autres actrices qui l'escortent maladroitement. Le Destin achève son récit. On apprend que l'Étoile est sa compagne. C'est la femme dont il est tombé amoureux en Italie. La Rapinière a des sentiments pour l'Étoile. Comme pour Ragotin, le comédien La Rancune promet de l'aider à la charmer. Les acteurs se rendent à un mariage pour jouer une pièce. Le poète de la troupe et Ragotin sont malmenés par un cheval. La petite bande d'artistes arrive à la cérémonie. La femme espagnole d'un vendeur de médicaments dit qu'elle écrit des nouvelles. L'écrivaine inattendue lit l'une de ses créations. Il est question d'une maîtresse qui empêche son amant d'épouser sa future femme. Angélique, la fille de l'actrice surnommée La Caverne, a été enlevée. Sa mère pense que le responsable est un valet qu'Angélique veut épouser. On arrive à la deuxième partie. Les comédiens partent à la poursuite d'Angélique. Le Destin rencontre une dame qui lui indique avoir vu des gendarmes retenir une femme qui criait. L'Olive et La Rancune sont trop fatiguées pour suivre le Destin. Ils passent la nuit dans une auberge. Ragotin les rejoint le lendemain. Restée dans la maison du bourgeois La Garoufière avec l'Étoile, La Caverne lui raconte l'histoire de ses parents qui étaient également acteurs. Le Destin tombe sur son valet Léandre, l'homme que La Caverne soupçonnait pour l'enlèvement de sa fille. Cette supposition était donc fausse. Léandre explique au Destin qu'il est tombé amoureux d'Angélique pendant l'un de leurs spectacles et qu'il est devenu valet pour pouvoir la suivre. Deux hommes se battent dans la maison où se trouvent le Destin et son valet. Le propriétaire des lieux décède à cause d'une forte fièvre. L'Olive, La Rancune et Ragotin rejoignent Léandre et le Destin. Ayant trop bu, le vieil acteur et l'avocat maladroit provoquent une nouvelle bagarre. Le lendemain, la Garoufière et ses camarades arrivent à l'auberge. Ce sont les organisateurs du mariage où Angélique a disparu. L'Olive joue un mauvais tour à Ragotin. Il lui rétrécit ses habits pendant la nuit, si bien que le pauvre avocat croit qu'il a subitement grossi.
la mère obèse des jeunes mariés essaye de coucher avec le destin, mais celui-ci est sauvé par Ragotin qui lui annonce qu'Angélique a été retrouvée. Angélique a été enlevée par erreur, les bandits l'ont donc laissé s'en aller. Cependant, ils détiennent désormais l'étoile. Avec l'aide de son vieil ami Verville, le destin retrouve le ravisseur de sa fiancée qui est en fait Sardagne, son ennemi de toujours. Il se déguise en valet et réussit à la libérer. L'étoile et le destin découvrent qu'ils ont été trahis par leur valet qui a agi sous les ordres de la rapinière. La garoufière lui envoie une invitation. Pendant que la rapinière est en route, la garoufière lit au destin une nouvelle qu'il a lui-même traduite de l'espagnol. La rapinière avoue avoir organisé l'enlèvement de l'étoile car il est amoureux d'elle. Il avoue aussi être responsable du vol subi par le destin et la rancune à Paris. Ragotin se retrouve nu au beau milieu de la campagne après une nuit de beuverie avec l'olive et la rancune. Les comédiens jouent une pièce devant des nobles venus séjourner au Mans. Ragotin provoque une bagarre et tombe dans un égout. Ragotin va voir le vendeur de médicaments car la rancune lui a faussement confié qu'il avait des talents de magicien. Comme elle l'a déjà fait lors du mariage de la garoufière, la femme du supposé magicien raconte à ses amis une histoire espagnole. Ragotin s'endort pendant le récit de la talentueuse lectrice. Pendant son sommeil, il se fait attaquer par un bélier. On arrive à la troisième partie. Scarron est mort sans avoir achevé son livre. Cette partie est écrite par un dénommé Offray. Ragotin comprend que le mari de l'écrivaine n'est pas magicien. Les comédiens interprètent leur dernière pièce au Mans. La rancune conseille à Ragotin de garder secret son amour pour l'étoile et de rejoindre leur troupe. Il pourra sûrement l'intéresser s'il est bon acteur. Maintenant qu'elle sait qu'il a de bonnes intentions, la caverne accepte que Léandre épouse sa fille. Ragotin est admis dans la bande. Léandre va visiter son père qui est malade. La troupe prend le chemin d'Alençon. Ragotin chute de cheval et la rancune commet un vol. Les comédiens croisent la rapinière qui détient un prisonnier mais arrivent à Alençon sans trop d'encombre. Saldagne, l'homme qui avait enlevé l'étoile, arrive à Alençon. Il tente de la kidnapper à nouveau mais est tué par des habitants de la ville. La caverne poursuit le récit de sa vie d'artiste. Elle est interrompue par l'arrivée de Léandre qui annonce la mort de son père. Les acteurs consolent Léandre ainsi que sa fiancée qui achève son récit en racontant le décès de son ex-mari, le père d'Angélique. Ragotin interprète son premier rôle. La rancune lui révèle que l'étoile est l'amante du destin. Cette nouvelle le désespère. Un curé d'Alençon rend visite à la troupe. Il leur parle de ses souvenirs. Verville, l'ami du destin qui l'avait aidé à libérer l'étoile, fait son apparition. Verville convainc le destin et l'étoile, ainsi que Léandre et Angélique, de hâter leur mariage. En voyage à Rennes, il rencontre le frère disparu de la caverne. La petite bande d'artistes se rend dans un village pour donner une représentation. Sur le chemin, il arrive encore des bricoles à Ragotin. De retour à Alençon, les acteurs reçoivent le curé. Il leur apprend qu'il a choisi ce métier à cause d'un douloureux chagrin d'amour. La caverne retrouve son frère grâce à Verville et la garoufière. Les deux couples de comédiens se marient dans l'église de leur ami prêtre. Après la cérémonie, la garoufière raconte une histoire dont il a été témoin. Il s'agit de deux femmes infidèles qui se battent pour un homme. Léandre aussi a quelque chose à raconter. Il expose l'aventure d'un homme amoureux qui a failli mourir en essayant de séduire sa dulcinée. La rancune décide de quitter la troupe après le mariage de l'étoile car il l'aime. Plus radical, Ragotin fait plusieurs tentatives de suicide pour la même raison, mais décède accidentellement en se noyant dans un lac. Et voilà, c'est fini. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.